19 h, l'heure du stream. Mais tous les jours ça recommence. Je regarde si j'ai pas des marmottes autour de moi. Non, ça va. Vous êtes sûr? J'ai une drôle d'impression. 19 h. En plus, c'est tôt pour se réveiller, je trouve. Bon, il attend de 20 h, quoi, que je sois recoiffé et vraiment dispo pour ce stream quotidien. Aujourd'hui, on retourne explorer les limbes des schmoppa. Avec un vieux titre qui date de 1985, fait par Sega, et qui s'appelle Rebels. Alors pour un titre qui devrait attirer, c'est déjà pas terrible engagé. Mais bon, si ça se trouve, le jeu est très très bon. Es-tu un shmup de la mort, Rebels? Et vais-je avoir mon fail de démarrage? Parce que souvent, je l'ai pas. Et du coup, je me retrouve en mode... Je l'ai. Alors j'ai enregistré le backstage du stream, vous verrez, juste avant, il marchait, quoi. Oh purée. Bon, ok. Je ne cherche même pas à meubler aujourd'hui parce que c'est jour de fête, on va dire. Et de toute façon, qu'est-ce que tu veux t'appliquer à faire quelque chose de bien avec des bouts de carton avec du polystyrène? Je pose la question. Si vous avez la réponse, bah vous avez les commentaires pour vous exprimer. À nous, Repulse! J'ai follement envie de toi. Tu nous fais une petite démo, s'il te plaît, parce que je ne sais pas du tout dans quel titre je mets le stick là. Alors, c'est un shooter vertical, certes, mais en fausse 3D! Regardez-moi ça! Mais c'est fantastique! Alors, il n'y a pas encore le son, j'espère qu'on n'aura pas, comme sur un stream récent, la présence de Jean-Michel Bruitage. Parce que bah, Fred va faire la gueule que je l'emprunte trop souvent. Et voilà. Croisons les doigts, croisons les sticks. C'est parti. On n'a plus. À sa swing. Ouais. Tu vas voir à qui là. Moi, c'est Tech. Tech, il a. Oui, ce n'est pas drôle des fois. Mais... C'est un boulot, hein, c'est pour ça qu'on a des humoristes. D'ailleurs, les humoristes eux-mêmes ne sont pas drôles, vous avez remarqué. Enfin, ils font rire les gens, mais je crois que au siècle précédent, les gens payaient pour voir des humoristes. Mais je suis en train de trouver que la tendance s'inverse. Et que les humoristes ne vont pas tarder à payer des gens qui sont là pour rigoler devant leur truc pas drôle. Pourquoi j'en mets plein la gueule aux humoristes ce soir? Bah parce que je m'occupe, hein. Ce shmup n'a pas l'air très très intéressant. On est sur un shmup 2D qui veut faire croire que c'est de la 3D, c'est pas très très bien fait. Pourtant c'est produit par Sega. On se rend droit de mériter quand même du boulot un petit peu plus, comment dire, pas professionnel, mais respectueux de mon autorité. Car, dans les shmups, je suis une autorité, tout le monde le sait très bien. Comment ça on dit pas une autorité mais une sommité? Je m'en fous. C'est mon stream, je fais ce que je veux. Alors, une petite chose que j'ai pas spécifiée, en plus de ce méga tir nucléaire qui est... Faut chasser des taux. Ok. En plus de ce tir nucléaire qui est totalement extravagant, puisque regardez-moi ça, il tire à l'infini, au firmament, maman. Eh ben... Oh, 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 oh! Ah ouais, ça, c'est des envahisseurs qui veulent envahir. Bon. Eh ben, j'ai une barre d'énergie en bas, qui représente un objet que vous n'avez pas encore vu en action. Mais lequel pourrait-il être? Énergie. Alors, je vais pas tarder à vous faire voir parce que je pense que je vais avoir peut-être quelque chose qui tire un peu plus vite que les autres. C'est pénible quand ils sont en pixels au fond. Ouh, que c'est pas très joli ça. J'ai vu la. Oui, j'ai cru que j'avais pas. J'ai cru que j'avais eu une illusion qu'il y avait que moi qui avait vu ça. Waouh! Hey! Vous allez au bal, les gars? On dirait des canards dans le premier jeu de shoot apparu. Que je n'ai d'ailleurs pas streamé. Il n'est pas très intersidéral, faut dire. Donc ce shield, on va s'en servir, je pense, les hommes. Ça va pas tarder, parce que comment... Il commence à vraiment être tous excités. Regardez-moi ça, il tourne autour comme des mouches. Autour du pot de miel. Et pourquoi les mouches tournent autour du pot de miel? Je ne sais pas, mais c'est comme ça. C'est la tradition, on respecte les autorités aux traditions. Je suis arrivé jusqu'au deuxième tableau sur ce jeu vintage, ça veut dire qu'il est jouable. Eh oui, je sais admettre. Oui, ben non. Bah écoutez les gars. La technique du plongeon de dauphin, je trouve pas ça génial. Puis le dauphin, c'est tellement has-been. Faut lui mettre un coup de shield. Je l'ai toujours pas utilisé, c'est malheureux. Et on recommence la séquence. Allez, Flipper.
C'est bien, Flipper. Tu veux encore du poisson? Oui, ben ça suffit, regarde, tu commences à prendre du vide. Mon shield. Ah, vous avez vu mon shield en action? C'est formidable. Il a été rapide, mais parce que j'ai pété la gueule à l'eau. Ouh, des vrais soucoupes volantes en forme de soucoupes volantes. Comment ça, je me moque de ce jeu? Bah oui, parce qu'il est jouable dans ce qu'il veut faire. Il est réussi, mais ce qu'il veut faire... Vous trouvez pas que c'est particulièrement chiant? On s'emmerde, hein? Ah, je sais pas pour vous, moi je joue en plus, je suis censé m'amuser. Vous, vous regardez, vous avez une raison de vous emmerder. Mais voilà, le truc il est là, c'est... Bon, c'est bien. Il y en a un qui met la nappe. Les couverts, c'est qui les a amenés? Non, parce que tant qu'à pique-niquer, hein, autant que ce soit fun et qu'on commence à manger, là, je commence à avoir la dalle. Comment ça se chope, c'est quoi ça? Il y a un verre qui traverse mon écran. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Un verre qui vient de traverser mon écran. Il résiste au tir, en plus. C'est un verre... qui était seul, certes, mais... Je ne sais pas, c'est un modèle étrange. Le jeu me paraît étrangement facile en plus. Alors, est-ce un jeu pour, j'allais dire, demeurer? Mais non, pour enfants, c'est un peu pareil. Ouh, je coupe au montage, ça. Et donc, oui, ennui plus facilité, on va pas y arriver, les gars. Alors, tu n'es déjà pas dans les hits, ça c'est sûr. Juste que ton nom, je l'aurais oublié 5 minutes après avoir éteint le PC, quoi. Pourrais-tu être dans les sélectionnés? Non. Tu ramasses ça? Ouais, non, mais ça me semblait pas évident quand même à comprendre. On va continuer un peu parce que je suis très très aimable et je ne sais pas combien de minutes on a fait vu que j'ai démarré le stream avant. Donc je n'ai pas mon chrono officiel, je suis très malheureux. Et on recommence l'intégralité de la séquence. Ok, bon. Vous savez quoi, les gars? Je la refais parce que je sais qu'il y a un ver de terre qui va arriver et que ça me motive énormément. Mais voilà, j'ai déjà tout dit ce que je voulais dire sur ce jeu. Puis je pense qu'il a vu ce qu'il a montré, on va pas aller plus dans le furry. Est-ce que je dois refaire Flipper le dauphin? Alors je pose des questions. La réponse, je vous la traduis pas parce que c'est purement dégueulasse qu'ils ont dit. Apparemment, c'est vivement que tu meurs et qu'on change de jeu. Chose à laquelle je vais pas m'opposer, d'ailleurs. Alors ça, ce n'était pas très fair play, mon ami. Au dauphin, j'espère. Non. Une fragging bonne nouvelle dans cette soirée qui s'annonce extraordinaire. Et au-delà de toute espérance, je pense que si je finis ce tableau, on va avoir une image pixelisée de la princesse Leia à poil. Oui, alors quand je commence à dire n'importe quoi, c'est que je m'ennuie vraiment beaucoup. Quoi. Et là, je pense que même le terme beaucoup est léger en comparé de tout ce que j'aurais exprimé concernant l'intensité de ce... Je veux savoir à quoi sert ce chenille. Je veux comprendre. Let me know. C'était juste un obstacle pour me gonfler, mais moi, il m'a fait rire. Donc apparemment, oui, c'est ça. C'était juste un obstacle pour emmerder. Tiens. Oui, ben, on peut dire que c'est un titre raté de Sega qui ira juste dans les archives parce qu'on est content de savoir qu'il a existé et qu'on ne veut plus jamais en entendre parler. Non, mais sans façon. Vraiment, n'insistez pas. On se reverra au bal annuel, hein? Non. Voilà, c'était Repulse. Maintenant, on sait pourquoi il s'appelle comme ça. Tout devient clair et limpide d'un seul coup. Si un jour vous croisez donc ce jeu, Repulse, sachez que ce n'est qu'un avertissement et qu'y jouer vous sera vraiment fatal. Je vous laisse avec les playlists habituelles. Les playlists du sourire. Donc, je vais mettre, tiens, un stream surprise. Voilà. Et la playlist généraliste et la playlist des shmups. Elle est pas belle, la vie? Allez, à demain, 19h, ciao.